Nous sommes le jeudi 3 octobre 2024 au bloc École Dogona A de Bobo Dioulasso pour l'édition 2024 de la Journée de l'excellence scolaire de l'arrondissement 3, organisée par la délégation spéciale et la circonscription d'éducation de base CEB de Bobo 3. Cette journée avait pour thème Excellence à l'école primaire et post-primaire, un tremplin pour une résilience des acteurs de l'éducation dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Le développement des populations passe nécessairement par l'éducation de nos enfants. Et convaincu qu'une nation qui ne positionne pas l'éducation au premier rang de ses priorités est vouée à l'échec. C'est ainsi que le chef de l'État a insisté à la journée d'excellence scolaire nationale de cette année 2024 sur la nécessité du corps enseignant à user de la psychologie et de la pédagogie pour former des leaders capables de porter les aspirations profondes du peuple. Des prix officiels et des prix spéciaux, composés de kits scolaires, vélos et enveloppes pour les élèves, des attestations de reconnaissance pour les partenaires et un superbe pour les deux meilleurs anciens de la CEB Bobo 3, composé d'une moto avec un casque, d'un ordinateur portable HP, d'une enveloppe et d'une attestation de reconnaissance. Les différents acteurs ont été primés en guise de félicitations pour les résultats engrangés, même si les objectifs n'ont pas été atteints. Je suis très contente parce qu'il y a eu un vélo, une roue de franquise, un kit scolaire. Je les remercie vraiment. Je suis très contente. Sans vous, c'est grâce à mon travail à l'école. Les meilleurs établissements privés, publics, franco-arabes, préscolaires et primaires ont également été primés pour les galvaniser dans leurs efforts. Les trois meilleurs au certificat d'études primaires au niveau de l'arrondissement 3 sont des filles, dont l'une est admise au concours du prix d'année militaire de Kadiogo. Les résultats sont appréciés, mais chaque acteur est invité à redoubler d'efforts pour de meilleurs résultats. Au cours de l'année 2024, la CEB a réalisé un taux de 71,63%. On voulait approbationner, mais ce taux nous interpelle à doubler d'année pour cette année scolaire 2024-25. Pour cette année scolaire 2024-25, nous voulons être le meilleur arrondissement au plan éducatif, les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et la meilleure CEB. Je vous exhorte donc à faire de l'effort, à exprimer votre art d'éducateur pour que nos enfants deviennent des citoyens compétents, consciencieux et meilleurs. En un mot, patriotes.